السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. تابع ماذا قال رشيد نجاز على الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبوني الصحافة السنغالية. Vous êtes exilé aux États-Unis sous peine d'une condamnation en Algérie. Est-ce que vous êtes dans les démarches pour retrouver votre pays, votre pays de cœur? Alors, il faut savoir une chose. Je ne serai jamais un exilé d'un pays dont j'ai choisi de sacrifier et ma liberté et mon confort que j'avais aux États-Unis. Donc, on a la chance d'avoir un nouveau président depuis 2019, avec les hauts et les bas, qui en 24 heures m'a redonné mon passeport algérien et m'a redonné tous mes droits, sauf les droits politiques, que je n'ai pas jusqu'au 19 janvier 2025. Donc je peux aller librement en Algérie et je ne serai jamais exilé algérien, ni en Europe, ni aux États-Unis. J'étais aux États-Unis pour me soigner. Je remercie d'ailleurs le secrétaire d'État américain, Monsieur Anthony Blinken, que je connais depuis 25 ans, et c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer le président Bill Clinton en 99. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir un visa et qui m'a permis de me soigner aux États-Unis. Donc je continue un traitement aux États-Unis, mais je vais rentrer après ma tournée africaine à Alger, totalement libre, et j'espère contribuer à ma façon, partager cette expérience que j'ai acquise en Algérie pour que le peuple sénégalais et l'élite politique sénégalaise ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avons commises en Algérie, pour que le Sénégal reste toujours une étoile démocratique pour l'ensemble des peuples africains.